Si nous constatons une activité suspecte sur vos comptes, nous les examinerons. Voici comment vous pouvez à nouveau accéder à votre compte Microsoft. Accédez à account.microsoft.com et essayez de vous connecter. Votre compte est-il verrouillé? Sélectionnez Suivant pour commencer à le déverrouiller. Remarque, si nous pensons qu'une aide supplémentaire vous sera nécessaire pour déverrouiller votre compte, nous vous dirigerons vers AK.MS Compliance Lock. Entrez un numéro de téléphone auquel vous pouvez accéder. Puis sélectionnez Envoyer le code. Assurez-vous que ce numéro de téléphone peut recevoir des SMS. Nous vous enverrons un code de sécurité. Si vous n'avez pas reçu de code, sélectionnez Je n'ai pas reçu de code pour réessayer. Entrez le code d'accès et sélectionnez Soumettre. Votre compte a été déverrouillé. Sélectionnez Continuer pour vous connecter. Si vous pensez que quelqu'un a essayé d'accéder à votre compte sans votre autorisation, vous devrez changer votre mot de passe. Sélectionnez Sécurité. Puis changez Mon mot de passe. Besoin d'aide supplémentaire. Accédez à support.microsoft.com Account and Billing.